Bon, eh bien, bonjour, ici sur la 16e édition du Salon Moto Légende qui a lieu tous les ans à l'automne au Parc Floral. Nous mettons aujourd'hui à l'honneur 90 ans de passion de BMW Motorrad. L'année dernière, c'était Kawasaki, l'année d'avant, c'était Yamaha. Tous les ans, une grande exposition est consacrée soit à un constructeur, soit à un pays. C'est le thème principal. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons aussi la bourse d'échange de pièces qui attire plus de une centaine d'exposants et où tout le monde va essayer de trouver la pièce rare qui manque à la restauration de sa moto, puisqu'il s'agit bien ici sur ce salon de motos anciennes, de motos de collection et de motos d'exception. Chaque année, nous accueillons entre 20 et 25 000 personnes. Donc pour la bourse d'échange, pour aller voir les super expositions et puis le village marchand où vous trouverez tout ce qui est service autour de la moto de collection et bien sûr une centaine de clubs qui sont présents, qui présentent leurs plus beaux modèles restaurés. Sur chaque stand ici, vous aurez l'occasion de voir des motos absolument magnifiques. Derrière moi, par exemple, chez Bonhams, vous avez la plus vieille moto du salon qui est une moto de 1904, une rare Peugeot 500 cm3. Mais ici aussi avec une moto emblématique de la marque BMW Motorrad, puisque c'est la première moto construite sous le sigle BMW et commercialisée. Donc une superbe R32. Tous les ans, on fait de gros efforts pour montrer vraiment au public ce qu'est une moto d'exception. En voilà une. En voilà une deuxième derrière moi. Une 500 Rennsport de 1954. Ce sont des modèles absolument exceptionnels. Et tout au long du parcours que vous aurez sur le salon, bourse, village, club surtout, et vous aurez des modèles exceptionnels. Vous pourrez voir aussi des terreaux, puisque l'industrie française, qui malheureusement a quasiment cessé, est aujourd'hui uniquement représentée par les clubs qui mettent en avant cette industrie qui nous est chère, sachant qu'avant-guerre, nous étions un des principaux constructeurs de motos.